Good morning, allez, Idan, la suite aujourd'hui, le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Bat Chanoa, Chel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que le Fouad Sarah Bat Betir Yuka Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions dans Sefat Menachot, Rekud Dalef, Mishnah Zain. On a une longue Mishnah, on va la couper directement. Shnei Shulchanot Hayuba Ulam Mibifnim, Al Petach Habait, Echal Shel Shaish, Ve Echal Shel Zahav. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמלין בקודש ולא מורידים. ואחד של זהב מי בפנים, שעליו לחם הפנים תמיד. ארבעה, on s'arrête là pour le moment. On va parler dans cette Mishnah concrètement comment faire la avoda du Shabbat avec le lechem apanim, les 12 pains du Shabbat. On va apprendre comment concrètement on procédait. Là, on a le dessin du Oulam. Du Echal, du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, on est, une fois qu'on est entré dans la Hazara, au Beth Amikdash, il y a la grande cour où là-bas se trouve le Mizbeach. Et après, derrière le Mizbeach, on a l'entrée, on commence à entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Echal. D'accord ? Dans le sanctuaire. On commence à entrer dans le Olam, c'est un premier hall d'entrée, où là-bas il y a deux tables, c'est ce qu'on va voir tout de suite, à quoi servaient ces deux tables. Une en marbre et l'autre en or. Après, on commence à entrer dans le Echal, on entre concrètement dans l'enceinte. Dans l'enceinte, on va se retrouver là-bas. Il y a le Mizbeach HaZahav, l'autel de l'Aktoret, où on fait brûler l'Aktoret tous les jours. La menorah, où on allume les Nerot tous les jours, tous les soirs. Et il y a le Shulchan. Là-bas, il y a une table avec les 12 pains qui sont entreposés, avec tout le dispositif pour entreposer les 12 pains, pour aérer, comme ce qu'on a appris dans la mission précédente. Et tout au fond, il y a le Kodesh HaKodashim, où le Kohen Gadol rentre une fois par an. Là-bas se trouve le Aaron Abrit, l'Arche Sainte, où il y avait l'étape de l'homme. D'accord ? Donc maintenant, la Mishnah m'enseigne. Il y avait Shnei Shulchanot Hayu Ba'Olam Mibifnim. Il y avait deux tables qui se trouvaient dans le Olam, dans le hall d'entrée, Mibifnim, à l'intérieur. C'est-à-dire, il y avait besoin d'avoir là-bas deux tables posées pour Al Petach Habayit, donc à l'entrée du Echal, de la maison. Echad Shel Shaish ve Echad Shel Zav. L'une était en marbre et l'autre était en or. Al Shel Shaish Notnim Lechem Apanim Biknisato. Sur celle qui était en marbre, on posait le Lechem Apanim, le pain, les 12 pains du Shabbat qui appelaient le Lechem Apanim parce qu'il avait les faces, il avait des petits. Les rebords qui remontaient, qui se regardaient. Donc, Lechem Apanim Biknisato. Al Shel Shaish. Sur celle qui était en marbre, on posait les 12 pains lorsqu'on entrait. C'est-à-dire, il fallait là-bas marquer une pause, on va expliquer pourquoi. Il fallait marquer une pause pour ne pas que les Kohanim restent en l'air avec des pains pendant des heures. Alors, on leur avait prévu une table pour les entreposer pour le moment. Ve'al shel zahav bitziyato. Et sur celle qui était en or, bitziyato, il y avait celle qui était en or, c'est pour que lorsque les Kohanim vont ressortir avec les 12 pains, il y avait là-bas de nouveau une raison de traîner, ça devait se traîner pour ne pas qu'il reste en l'air pendant des heures comme ça. Alors on leur avait prévu aussi une table pour poser les pains, mais cette fois-ci, on en mettait cette table en or. Et pour quelle raison on met une en marbre et une en or? La Mishnah enseigne Shemarin Bakodesh Velomuridin. Car on augmente dans la sainteté et on ne descend pas dans la sainteté. C'est une grande règle qu'on retrouve dans la Torah, qui s'exprime de plusieurs manières. Que lorsque je dois accomplir une mitzvah en deux étapes, par exemple, ouais, et ben la première étape, si tu la fais à un certain niveau, la deuxième étape, il faudrait que tu la fasses encore mieux. Parce que toujours, on augmente l'enthousiasme, on augmente la joie, et de ce fait, donc si tu as commencé, donc tu vas devoir poser ce pain-là deux fois par exemple, et ben si tu as choisi une première table, il faut que la deuxième soit de meilleure qualité pour poser la deuxième, pour l'utiliser. D'accord ? C'est une règle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il fallait poser ces pains ? Alors là, la raison pourquoi il fallait la table en or, on la prendra dans la suite de la Mishnah, c'est parce que, je vous explique d'abord le schéma, il faut bien comprendre comment ça se passe. On a les 12 pains. Pour les 12 pains, on va voir qu'il y a 4 groupes de Kohanim pour apporter les 12 pains. 2 pour les pains et 2 pour les Bazir et les Vona, comme ce qu'on va voir. Maintenant, ces pains-là, on avait appris plus haut dans la Mishnah Bet, et il fallait les faire cuire dans la Hazara. Dans la Hazara. Marloquet, est-ce qu'il fallait même aussi les pétrir dans la Hazara? Il y avait une discussion, c'était vaste, il y avait là-bas tout ce qui est top, sur Israël. Concrètement, on va retenir, par exemple, c'est plus facile pour nous, on va retenir l'avis qui nous dit qu'il fallait le faire cuire pendant Shabbat. Maintenant, le pain, il est chaud. Il ne fallait surtout pas faire entrer le pain chaud. Je vous explique comme le Tiferet Israël, pas comme le Bartenora. C'est plus facile. Après, je vous expliquerai ce qu'il y a le Bartenora, le Saint-Hachem.
les 12 pains, ils sont chauds. Si on les prend et qu'on les amène directement, ils vont bien évidemment moisir. Les pains chauds, il faut d'abord les laisser s'aérer. Pour les laisser s'aérer, il faut les laisser refroidir. De ce fait, on avait ici cette table en marbre, et on entrait dedans et on la posait sur la table en marbre. D'accord ? Ça, c'est l'interprétation du Barthénon. Le Tosotium, du Tiferet Israël. Le Barthénora, lui, il est parti dans quelque chose de très... c'est la Gemara qui le dit. Et qu'en fait, non, il fallait poser juste les 12 pains pour marquer une pause, histoire de montrer que, pour le moment, on est à l'entrée, parce qu'après, on fera encore mieux, on posera sur la table en or. C'est juste une histoire de distinguer, de montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire, d'apprendre au peuple, en fait, que Ma'alin Bakodesh Menon Edin, qu'il faut toujours augmenter pour faire encore plus. Donc aujourd'hui, je pose, pour le moment, sur cette table qui est simple, elle est en marbre, parce qu'après, je prévois de poser sur la table qui sera en or, quand je serai à la sortie. D'accord ? Donc, maintenant, on a fini pour l'histoire des tables, les entreposer pendant l'entrée, à l'entrée. Et maintenant, on va apprendre concrètement comment est-ce qu'on faisait la avoda des pains. Arba kohanim nichnasim, shnaim beyadam shnei sdarim, ou shnaim beyadam shnei bazichim. Quatre kohanim entraient, deux avaient dans les mains deux sdarim, deux séries de pains, ve shnaim beyadam shnei bazichim, et deux avaient dans leurs mains les deux bazichim, chacun un bazir. Une cuillère où il y avait dedans la levona, l'encens. C'est-à-dire, on avait déjà appris dans le Mishnah, dans les Mishnah précédentes, que le lechem apanim était composé des 12 pains. Eux étaient consommés par les kohanim, le Shabbat. Et il y avait à part ça deux cuillères où il y avait dedans de la levona qui étaient posées sur la table ou sur les pains. Il y avait une petite discussion sur ça. Ils s'étaient posés sur la table. Ces deux basiré levona, il va falloir les prendre et les monter sur les misvar pour les brûler, ces deux encens. D'accord ? À l'instar d'une mincha où on va prendre le kometz, on va le brûler et les kohanim vont manger le reste, et bien pour le lechem apanim, on va prendre ces basiré levona, ces deux cuillères d'encens, on va les brûler et les kohanim vont manger le reste. C'est le même principe. Et alors, la Mishnah m'enseigne. Arba kohanim nichnasim. Quatre kohanim entrés dans le echal. Shnaim beyadam shnei sdarim, deux avaient dans les mains les deux séries de pains, 6-6. Ou shnaim beyadam shnei bazichin, et deux avaient dans les mains deux bazichin, les deux cuillères. De même, ve'arba'a makdimin lifnehem, et quatre autres kohanim entraient auparavant. Ils les devançaient. Shnaim litol shnei sdarim, ve'shnaim litol shnei bazichin. Deux kohanim pour prendre les deux séries de pains, et deux kohanim pour prendre les deux bazirines. Regardez, on a dans le Echal, je vous ai mis, je ne sais pas si vous l'avez bien sur l'écran, quatre petits bonhommes verts, d'un à droite, donc à droite, c'est-à-dire au nord, avec la face vers le sud, quatre petits bonhommes verts au sud, avec la face vers le nord, deux, pourquoi quatre? Quatre et quatre. Quatre pour prendre les pains, et quatre pour poser les nouveaux pains. Les pains avec les bazirines, donc deux et deux. Ok, maintenant. Hamachnisin omdim batsafon ufnehem ladarum. Ceux qui font entrer le pain se tiennent au nord. Ouais, là c'est l'ouest, toujours le Maharav. On entre vers le Maharav, vers l'ouest, quand on entre dans le Echal, ou dans le Kodesh Kutim, dans le Misbéar, toujours. Les portes elles sont à l'est et on entre vers l'ouest. Donc le nord il est à droite. On a ici les quatre kohanim qui se tiennent au nord avec leur face vers le sud. Amotsin, Omdim, Madarom, et ceux qui vont retirer les pains se tiennent au sud, Ufnehem, la Safon, et leur face était vers le nord. Elo Moshrin, ve Elo Manichin, ceux-ci vont les tirer, et ceux-là vont les poser. C'est-à-dire, ils vont travailler un peu simultanément. Il y a 12 pains ici, pour le moment sur la table. Il y a les deux Kohanim qui vont s'occuper de retirer les pains, et il y a les deux Kohanim ici qui vont s'occuper de poser les nouveaux pains. Et bien la Mishnah m'enseigne qu'ils vont travailler en parallèle. Les deux Kohanim vont commencer à prendre les pains pour les tirer, pendant que les autres vont commencer à poser le pain. De manière à ce que la table reste pleine des pains tout le temps. Soit elle est occupée avec les pains sortants, soit elle est occupée avec les pains entrants, et ça se chevauche, ça se suit à la queue leu leu quand les 12 sortent, les 12 entrent directement. D'accord ? Et Tifro Shelze, les poignées de l'un, Keneget Tifro Shelze, les poignées de l'un face aux poignées de l'autre. Ils travaillent ensemble, en parallèle. Un, il tire, l'autre, il rentre directement, de manière à ce que la table, elle reste pleine constamment. Et d'où j'apprends ça? Parce qu'il fallait les fanaï tamid, il fallait que le pain soit devant moi toujours, comme ça le passage nous dit. Qu'il soit devant moi toujours, pas un instant en vide.
Tel est l'avis de Tanakama. Rabbi Yossi Omer, Afilu Elu Notlin ve Elu Manichin, Avzo et Tatamid. Rabbi Yossi dit non, calmez-vous. Même si les Kohanim viennent et y prennent, et les autres viennent et posent, on remplit encore la condition du pasouk d'avoir les pains qui sont posés, Tamid, perpétuellement, tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, d'accord, c'est appartenant au Barthénor, c'est pas dans la Gemara, dans la Mishnah elle-même. Barthénor nous rapporte, c'est comment comprendre le mot Tamid? Perpétuellement, constamment. Constamment, ça veut dire pas un instant, pas une seconde sans, ça veut dire tous les jours. Ne pas laisser une journée vide. Mais là, en l'occurrence, d'accord? Ensuite, donc maintenant, ça y est, les Kohanim entrant, ils ont fait leur petite pause ici sur la table en marbre. Je dis, selon tu fais ça pour se refroidir le pain. Ils ont pris le pain, ils l'ont emmené devant. Ils se sont préparés maintenant à le faire entrer. Les Kohanim de l'autre côté sont venus pour les récupérer, pour réceptionner. Ils les ont réceptionnés et eux, ils ont posé, d'accord? Maintenant, on va s'occuper de ressortir. Donc faites attention, on a quatre Kohanim. Deux Kohanim qui ont les 12 pains dans les mains. Et deux Kohanim qui ont les basifs de mains. Yatsu, ils sortent. Venatnu à la shulchan shel zav. Ils vont en sortir, ils vont les poser. Pour le moment, ils vont poser les 12 pains sur la table qui était en or. Chez Haya Ba'ulam, qui se trouvait dans le Oulam. D'accord? Donc c'est cette table en or. Le temps que, Iktiru Abazirin, le temps que les deux autres Kohanim qui avaient pris les deux Bazirin, les deux cuillères avec la Levona, aillent le faire brûler sur le Mizbar, il devait sortir, monter sur le Mizbar, le faire brûler. Et lorsque ça brûlait, ça y est, on avait, comme le comets, on avait appris l'échantillon qu'on a fait brûler sur le Mizbar, on a le droit maintenant de manger le reste de la Mincha, idem pour les 12 pains. Mais une fois que les Kohanim qui avaient les Bazir et Levona ont fait brûler cette Levona sur l'encens, sur le Mizbar, cet encens sur le Mizbar, eh bien, désormais on pourra consommer les pains. En attendant le temps qu'ils montent, le Kohanim reste ici sur cette table. Ve'achalot mitralkot la Kohanim. Et une fois que l'on a fini donc de brûler l'encens, la levona, alors les 12 pains, les chalot, mitralkot la Kohanim, vont se partager entre tous les Kohanim. Les Kohanim qui étaient là-bas vont se partager. Il y avait plus précisément, celles qui avaient des rondes, des gardes au Beth Amikdash. Il y avait 24 mishmaot, il y avait 24 familles qui venaient. Chaque semaine, elles se relayaient. Et le Shabbat, c'était le grand relais. Et justement, il y avait donc la garde entrante et la garde sortante. Eh bien, tous les deux Kohanim, les deux familles de Kohanim, se partageaient les pains qui étaient là-bas au Beth Amikdash. D'accord? Maintenant, la Mishnah continue en me disant Chal Yom Akipurim Liyot Beshabbat Achalot Mitralkot La Erev. Si le Yom Kippour est tombé pendant Shabbat, donc on n'a pas le droit de manger la Shabbat, qu'est-ce qu'on fait avec les 12 pains? On ne va pas partager les pains, mais on ne va pas les manger pendant Shabbat, on va les manger la Erev, le soir qui suivra. Maintenant, autre cas de situation, si déjà on en parle, alors la Mishnah me parle de nous, une situation un peu embêtante, c'est Chal Liyot Erev Shabbat. Si toutefois Yom Kippour est tombé la veille du Shabbat, et quel est le problème lorsque Yom Kippour tombe la veille du Shabbat? Ça tombe un vendredi. Un tout petit problème technique, c'est que il y a un korban, parmi tous les korbanot qu'on va faire à Yom Kippour, il y a un seir chatat anéessa bachutz. Un korban chatat que l'on fait à l'extérieur du Echal, et ce korban chatat, il est consommé par les Kohanim. Or, à Yom Kippour, on ne peut pas le manger. Quand on pourra le manger? Le soir suivant. Sauf que le soir suivant, c'est Shabbat. Et si c'est Shabbat, on ne va pas pouvoir cuire la viande. On ne peut pas cuire la viande, on est embêté. Alors, il va falloir trouver des cannibales qui vont manger la viande crue, et c'est ce que la Mishnah nous a trouvé. Chaliyot erev Shabbat, si Yom Kippour est tombé la veille du Shabbat, Seir shel Yom Kippourim ne'echal la'erev, le Seir de Yom Kippour, le bélier de Yom Kippour, qui était le korban chatat, pas le chatat de la voda de Yom Kippour, que lui il était brûlé intégralement, on parle du chatat qui est fait à l'extérieur, sur le misbeach Hachitzon, sur le grand misbeach qui était dans la cour, dans l'enceinte du Beth Amikdash, pas dans le Echal, alors, on espèce le sang là-bas, il était consommé le soir, sauf qu'on ne, entre parenthèses, on ne pouvait pas le brûler. Alors la Mishnah enseigne qu'il y avait Abavliim Ochlin Oto Shehuchai. Les Babyloniens le mangent lorsqu'il était cru. Ils mangeaient la viande crue. Mipenei Shedatan Yafa, car ils avaient, je ne sais pas comment traduire l'expression, Datan Yafa, ils avaient la tête calme, claire, ça ne les dérangeait pas de faire des choses pareilles. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses à expliquer. Premier point d'abord, Datan Yafa, comme ça on faisait nos problèmes.
être isthéniste, être un peu trop douillé, sensible, eh bien, ça s'appelle qu'on a, on a la tête compliquée. Et avoir la tête simple, c'est être capable de manger facilement quelque chose qui n'est pas super propre, agréable, dans la mesure où c'est pas dangereux, boire d'un verre qui n'est pas super propre, ça s'appelle qu'on a un dat yafa. D'accord? C'est exprimé comme ça. C'est un peu affligeant pour ceux qui sont un peu douillés de sentir qu'on est en fait on est compliqué dans notre tête alors qu'on ne veut pas se manger de la crasse et de la saleté. Mais enfin, en tout cas, comme ça c'est exprimé ici. Ça c'est ce qu'on appelle data yafa. Maintenant, on revient maintenant sur le korban. Donc on a dit que lorsqu'on arrive le soir à Shabbat, on ne peut pas faire brûler cette viande. On ne peut pas attendre le lendemain parce qu'il va être nifsal belina. Il va être invalidé parce qu'il aura passé la nuit. Donc qu'est-ce qu'on a comme ça? On le mange cru. Le mange cru. Alors il y a d'abord un problème de halakha avec le sang, vous allez me dire. Il y a du sang dans un animal, il faut le saler. On fait la cachérisation. Réponse, sachez qu'on fait la cachérisation que lorsqu'on fait cuire la viande. Mais si on la mange crue, on peut la passer sous l'eau et la manger telle qu'elle. C'est une halakha très originale dans le sang, que le sang que la Torah interdit à consommer, c'est uniquement le sang qui va sortir. Mais le sang qui est, pour le moment, imprégné dans les membres et qui ne va pas sortir lorsqu'on va le mâcher, par exemple, eh bien, on a le droit de manger la viande telle qu'elle. Ça, c'était une première notion. De ce fait, alors il y a marqué que les Bavliim, les Babyloniens, le mangeaient cette viande. En réalité, le partenaire nous explique que ce n'était pas les Babyloniens, c'était des Alexandriens, des gens qui sont venus d'Alexandrie. Et pour quelque raison, on les appelait les Bavliim, parce qu'il y avait toujours, dans la Gemara, on constate qu'il y avait ils se piquaient entre les Babyloniens et les Jérusalemiens de pure source. Alors ils se taquinaient un peu entre eux, et les Talmid Chachamim de Jérusalem, leurs ennemis, entre guillemets, c'était justement les Babyloniens, et ces gens qui venaient d'Alexandrie, que Chachamim leur ont donné le nom des Babyloniens. Bon, c'est de la politique. Et voilà, on a compris donc, eux ils le mangeaient, et ça n'a pas été précisé, mais ceux qui ne pouvaient pas le manger, si on ne pouvait pas le manger, eh ben on le laissait passer la nuit jusqu'à qu'il va devenir invalide, et ensuite on le brûlera le lendemain, comme tous les corbanotes qui ont passé leur temps. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sakha Koltou, c'est là.